Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Lady. Hello tout le monde! Donc voilà, on voulait faire en fait avec Lady une petite mise au point sur le fait qu'il n'y ait pas de raid. Donc ça, dans un premier temps, on va faire une petite mise au point là-dessus. Et dans un deuxième temps, on va laisser libre cours à notre imagination pour pourquoi pas essayer de deviner ce qu'il y aura dans la prison des vétérans, donc le mode qui va remplacer le raid. Donc tout d'abord, on voulait revenir sur le fait qu'il n'y avait pas de raid. Donc, Lady, tu as pu voir dans des commentaires qu'il y avait pas mal de gens dégoûtés. Alors effectivement, il y a plein de gens qui sont a priori très déçus et ça peut se comprendre dans un premier temps puisque les gens, certains ont précommandé le DLC, d'autres avaient vraiment misé beaucoup sur ce DLC, commençaient un petit peu à se lasser de Destiny et voulaient vraiment du lourd et du gros contenu sur ce DLC. Et la grosse nouvelle, bien évidemment, ça a été pas de raid pour ce DLC. Néanmoins, on l'a dit précédemment dans une vidéo et l'info circule énormément. Le DLC ne sera pas sans contenu puisqu'il y a beaucoup beaucoup de contenu dans ce DLC, donc finalement, il est peut-être pas si décevant que ça. Voilà, moi je voulais notamment revenir sur une déclaration qu'avait fait Bungie tout d'abord au mois de janvier. Bungie avait déclaré qu'ils étaient insatisfaits du premier DLC qu'ils avaient sorti et qu'ils mettraient le paquet pour ce second DLC. Donc je pense qu'on peut compter sur Bungie. Ils n'ont pas dit ça par hasard. S'ils ont dit ça, c'est que voilà, ils savaient ce qu'ils allaient faire. Et je pense qu'on peut s'attendre à un très bon DLC. Et je voulais revenir aussi sur une deuxième déclaration qui a été faite par Bungie, donc au moment où ils ont annoncé, pardon, qu'il n'y aurait pas de raid. Donc voilà, ils ont expliqué que leur équipe avait été humiliée par l'accueil du dernier raid. Donc voilà, ils étaient insatisfaits de leur raid et qu'en fait ils travaillaient sur un raid qui sortira plus tard cette année. Donc voilà, donc je voulais revenir sur cette dernière phrase. On peut imaginer, alors ça attention, hein, c'est nous qui l'imaginons, c'est pas Bungie qui l'annonce. On peut imaginer la sortie d'un raid, pourquoi pas cet été, avant le DLC Comet. Voilà, moi je pense que ils avaient annoncé, hein, il y avait des screens officiels de Bungie comme quoi il y aurait un raid dans le DLC qui sort le 19 mai. Donc peut-être qu'ils vont tenir leur parole, mais que le raid pourrait pourquoi pas sortir un peu plus tard cette année. Voilà. Toujours est-il qu'il y aura ce mode de jeu, donc l'arène, donc la prison des vétérans. Avec Lady, on a discuté, on est sur la même longueur d'onde. Donc voilà, Lady, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu penses que pourra être ce prochain mode? Alors, pour moi, donc déjà l'arène, enfin déjà le nom même de ce mode de jeu montre bien qu'on va se trouver dans quelque chose d'assez concentré avec probablement beaucoup beaucoup d'adversaires. Alors mon petit point de vue sur la question, c'est qu'on allait peut-être se trouver dans un mode de jeu où on allait avoir à affronter des hordes d'ennemis. Donc concrètement, ça pourrait se présenter sous forme de vagues, plusieurs vagues d'ennemis consécutives. En tout cas, c'est ce que je pense. Je m'attends à avoir des vagues auxquelles il va falloir résister. Peut-être numéroté, pourquoi pas, ça je ne sais vraiment pas à ce niveau-là. On sait qu'Activision participe au développement du jeu, qu'Activision est aussi spécialisée sur les Call of et en particulier sur le mode zombie. Et du coup, je me dis que peut-être ça pourrait être des formes de vagues. Il y aurait peut-être une corrélation avec ce type de jeu. On n'en a pas la certitude, mais je me dis que par rapport aux récompenses qui sont annoncées, par rapport au temps qu'on nous demande de résister dans ce mode de jeu, peut-être que plus l'on va tenir longtemps, plus on aura des récompenses consécutives à notre résistance dans ce mode de jeu. Alors voilà, moi je suis complètement d'accord avec Lady, je pense que ça serait une sorte de mode de survie. Il y a une phrase aussi que notamment Bungie donc, a déclarée quand ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de raid. Ils ont annoncé que donc, la Maison des Loups aura une nouvelle activité donc de jeu en coopération, donc l'arène, la prison des vétérans, qui sera axée sur la variété, la rejouabilité et le skill. Voilà, donc franchement ça colle parfaitement avec un mode de survie. On pourra relancer autant de fois qu'on veut pour pourquoi pas essayer de battre le nombre de, je sais pas, de vagues ou de hordes d'ennemis qu'on a tués, pourquoi pas. Et voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. Nous on pense vraiment que ça sera un mode de survie avec Lady, axé surtout sur une pièce, une grosse pièce, pourquoi pas avec des décors sur lesquels on pourra, derrière lesquels on pourra établir des petites stratégies. Avec même, on peut même imaginer pourquoi pas l'apparition de munitions, un peu comme en PvP, avec des caisses qui interviennent
je sais pas, toutes les quelques minutes, pourquoi pas, enfin voilà. Alors attention, par contre, parce qu'on précise bien qu'il s'agit là d'un point de vue, on vous partage un petit peu notre avis, notre appréciation sur la question. Comme beaucoup de gens, on se pose des questions par rapport à ce futur mode de jeu. On aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans. On n'a pas les réponses. Donc là, c'est vraiment notre point de vue. On n'a pas eu d'informations concernant ce mode de jeu. C'est vraiment nous qui nous permettons de nous permettre quelques hypothèses, enfin de faire quelques hypothèses, pardon. Et de même que pour la sortie du fameux raid dont on parlait précédemment, ils ont annoncé que ce serait beaucoup plus tard dans l'année. Donc nous, on pense à cet été, mais ça peut être bien après le DLC de septembre qui devrait a priori être prévu, donc le DLC Comet. Donc pour l'instant, en fait, on ne sait pas trop, mais on est sur quelques petites pistes qui nous font penser tout ça et on vous livre simplement notre avis, notre point de vue. Voilà. De toute façon, enfin, après, je sais pas comment ça va se dérouler, mais je pense que ça serait vraiment une bonne stratégie de la part de Bungie de sortir, par exemple, la raid cet été. Ça donnerait vraiment une Tout à durée de fait. vie beaucoup plus longue au DLC et ça nous permettrait de patienter donc jusqu'au DLC Comet qui est prévu pour septembre. Voilà. Voilà. Toujours est-il que voilà, ce sont que des hypothèses. C'est vraiment notre imagination qui parle aujourd'hui. N'hésitez pas à nous expliquer ce que vous pensez. Est-ce qu'il y aura pourquoi pas un raid cet été? Est-ce que vous pensez du mode de l'arène? Qu'est-ce que ça peut être d'après vous? Enfin voilà. Ou ce que vous J'espère que attendez, tout simplement. tout simplement, voilà ce que vous attendez vraiment de ce mode. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à partager vos ressentis vraiment sur ce prochain DLC avec nous, à partager la vidéo, à laisser un petit like. On vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée tout le monde, gros bisous!